Allez, re les gars. On va juste faire un petit tour. Ah, on peut ouvrir. Ah oui, il fait vraiment beau aujourd'hui. Mac and Jesus. Ok. On a un distributeur chez nous, mais ça coûte 5 euros. Oh, c'est le signe euro, euro et dollar. Mon dieu. Ah, je voulais se regarder dans la glace. Finalement, c'est pas top, hein, la gueule qu'on a. Arrêtez de se regarder, sourire. Mon dieu, qu'est-ce qu'il est moche. Putain, attendez, attendez. Je peux pas changer ma gueule là. Non. Ah non, 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 non. Là, on a la shower. C'est quoi ça? Les toilettes? Ok. Ça veut faire un caca ou deux. Message. Ok, de la grande loterie. Ok. Acheter des tickets. Alerte arnaque analogique et alerte, vous avez été attaqué. D'accord. Par contre, c'est dommage. Attendez, on peut pas changer ce. Putain, on peut pas changer de. Sa sale gueule là. Ok. Ça nous donne des buffs. Ça fait ça, je comprends pas le truc des éclats. Non, on va pas s'asseoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre en là-bas? On a l'arsenal. Par contre, non. Ce que je comprends pas, c'est comment changer d'arme. Putain de merde de grenade. J'essaye vraiment de comprendre. Non, bon, on va pas changer de sap. Parce que j'ai gardé cela. Mais comment je fais moi pour l'équiper, transférer, fermer, non? D'accord, ça c'est le tout. Ah, on a les prix en bas. C'est 90$, 90. Allez, au plus je les reprends. Parce que je vais les vendre. Bon. Bon, bon, bon. Bon, mais tant pis. Je changerai ma gueule si je peux. Mais une autre fois. Ah, ça marche ça maintenant. Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et comment tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus V. Ciao. Vendre. Ah, voilà. Ah, il a un poids. D'accord, je savais pas qu'il y avait des trucs qui influençaient notre sapologie. Faudrait que je m'équipe de ça là. La DR5 Nova, l'Unity, qu'est-ce que j'en ai à foutre franchement. D'accord, donc
deux clics on sort, un clic on sort, deux clics on rentre. Putain, ça m'énerve, qu'est-ce qu'ils font? Patrouilleur. NCPD, ouvrez cette porte! Vulnérabilité, feu, poison, électricité. On a reçu un appel. On est ici pour vous aider. On sait que vous êtes à l'intérieur. Vous croyez que je peux les frapper? When danger lurks, trauma team will be there. Sign up for our platinum plan today. Because your life is worth it. Qui est la marelle? Qu'est-ce que vous faites? Oula, calme-toi ma belle. Ok. Ok, on peut pas ouvrir les trucs là. Je voulais juste voir. Bon allez, on va continuer. On va arrêter parce qu'il y a des étagères là. Ce qui m'énerve, c'est juste que c'est mal. Je sais pas, c'est. On n'est pas très renseigné. Attendez. Tu veux que je te pète bon. La racaille. Tu t'ennuies? Bah va au bar si t'as envie de discuter. Hey, sérieux? Comment ça va? Bah écoute, ça va mon gars. Coussi coussin. Oh non non non, 14 ça va pas, c'est pas assez. Ok. C'est incroyable, il y a plein de trucs, mais je sais pas si tout ce que je ramasse ça va servir. Maman en slip. Ah oui, tout est dépravé ici. Adieu pensée violente. Ah, on a les trucs de combat là-bas. C'est ça que je cherchais. Si on se faisait un round de départant. Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau sac de frappe? Il vient de me mettre une raclée en mode 2.0, je te jure. Je serais curieux de savoir comment il s'en sort face à un V. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bah, vas-y. Ok, c'est parti. Pèse pas trop sur tes pieds, bouge bien la tête. Ouh, l'esquive. J'ai même pas fait exprès. Ah non, c'est les gros. Ah merde, putain. Ah, je l'ai presque gonflé. Mais c'est bon. Je peux organiser un combat ou deux. T'en dis quoi? Vas-y, t'as quoi en stock mon gars? Vous vendez quoi ici? Que du top niveau. Ah merde. Pourquoi ça augmente la vitesse d'attaque? Ah ouais d'accord, c'est des petits implants que... Vous montez sur le ring au sujet de... Vous avez parlé de combat. Je t'ai vu frapper sur le ring. Tu bouges bien, à l'instinct. Tu pourrais aller loin, surtout avec quelques implants. Ces combats, c'est pas très légal, bien sûr. Mais... ça rapporte. Ça rapporte à qui? À vous, à moi? À nous deux. Je touche une petite commission sur les gars. Je suis ton agent, quoi. Tu gardes le reste. Ça paraît honnête. Ça paraît honnête. Qu'est-ce que je disais? À l'instinct. Les combats sont organisés dans différents endroits de la ville. Tu choisis où tu veux aller, t'allonges tes édits, et tu rentres en piste. Si tu gagnes, à toi la caisse. Si tu les étales tous, tu pourras participer à la finale. C'est bon? Tout est clair? Très clair.
Bien. Mais t'attends pas à monter sur les rings de Watson. Pas encore. Commence par ceux de Kabuki. Je crois en toi, V. Montre à cette putain de ville qui tu es. C'est génial. Ah oui, je vois qu'on fait du shadow. Ah, j'adore le délire. Il boxe avec un pistolet, il est d'accord. Quelques mots. Oui, tu veux gâcher la surprise, tu verras sur place. Duck, Street, Glenn, César, le type du mot. D'accord. On va continuer. On va essayer de. Ah là, il y a les armes. Joli petit 45 attend sa maman. Ils ronronnent après chaque coup maintenant. Je vais jeter un œil. Ah putain, quand je vois du doré comme ça, mais je crois que c'est de la merde. Pourquoi il est doré comme ça? Bon. 69. Arme de qualité standard, moins tu as fait correctement. Ouais, bon, d'accord. Ok. Ah, d'accord, on peut vendre au truc au marchand pour une somme limitée. D'accord. Obtenir le pistolet de Wet. Ah, d'accord, il faut jeter que... un œil. Mais où est-ce qu'il est son pistolet, ce con? C'est ça? Ok. Vous venez de recevoir un objet iconique ainsi que des plans de fabrication que vous pouvez utiliser pour fabriquer des versions de meilleure qualité de cet objet. Lorsque vous fabriquez une nouvelle version d'un objet iconique, l'objet d'origine est détruit. Les objets iconiques peuvent aussi être améliorés comme n'importe quel vêtement ou arme ordinaire, et les améliorer vous augmenterez leur niveau et leurs statistiques. D'accord. Merci beaucoup. Le pistolet, ouais. Maman, on sort de la jungle celle-là. C'est quoi ça? Non, d'accord. C'est un bout de papier. Ok, on descend. C'est l'heure des infos locales. Bonjour, c'est l'heure de l'info locale. Le festival Aratama Matsuri va bientôt commencer. Pour l'occasion, de fabuleux chars de plusieurs étages défileront dans les rues de Night City. Seront également au programme du festival des performances musicales par des virtuoses du biwa, ainsi que des représentations de théâtre d'eau traditionnelle. Le sponsor du festival est la corporation Arasaka. Et, contre toute attente, Anako Arasaka a annoncé qu'elle participerait au défilé de chars. WNS News vous souhaite à toutes et tous un magnifique Matsuri. Ah oui, il a des gaines du Japon. Qu'est-ce que... Je rêve. T'sais, j'ai eu peur, j'ai cru que je buguais. Petit boulot de NCPD, le NCPD vous paiera pour l'aider à combattre le crime. Ouais, ça je veux bien le faire. Fixer ces intermédiaires vous informeront pardon, sur les contrats disponibles localement. Ouais. Contrat et fixeurs. Les fixer vous contacteront pour vous approcher de l'emplacement d'un combat. Pourquoi ils me les mettent toujours comme ça avec une flèche et la balle hein? Qu'est-ce qu'ils font? Je comprends rien.
Alors... Quoi ? T'as agressé ? C'est des choses qui arrivent. Je vais t'éclater, tu vas rien comprendre, espèce de folle. Ah, la star, enfin. T'en as mis du temps. Ça m'a ouvert l'appétit d'attendre. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Seigneur Vector. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien... J'ai complètement déliré. Il doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je me suis peut-être dévoté un boulot. Le genre Premios. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... Ah, comment il s'appelle, déjà ? Ah oui, un certain Dexter de Champ. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coulitude, en partie plaqué or. Alors c'est quoi le plan ? On est censé s'en tirer vivant ? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais... Tout repose sur toi, et c'est... Ok, organise ça. On va voir ce que le grand Dex a à me dire. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein, j'ai rien contre le Padre ou Akako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire ? Pas vraiment. C'est toujours la même histoire. T'arrives sur un nouveau territoire, le fixeur du coin vient jouer les petits chefs, et il dit que tu vas crouler sous les bouleaux et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet. Un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord, il boit des coups avec toi, mais c'est que du business. Lanzarios, estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les désos. Merci Jack, super sympa. Vous pouvez faire venir votre véhicule actif à l'endroit où vous êtes avec... D'accord, ça c'est génial. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi ? Vas-y. Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. C'est moi qui conduis ou c'est lui ? Par quoi ? Et mollo sur l'accélérateur. Accélérateur. Je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. Oula, oh, je tuais des gens. Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Ah oui, ah c'est très sensible, ah oui. Ouh là là. Bon, on va rouler vite. Allez hop. Ah, merde. Ah, mais... Vous avez la priorité, excusez-moi. Ah mais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Par ici. Ahmed, retrouve-moi quand Vic aura fini de dépoussiérer tes circuits. On discutera de ce que Dex nous prépare. Mais qui c'est ça ? Ah, il est très fort, lui. T'as rien à faire ici. Capacité... Minx, chargé, surchauffe... Et surchauffe, d'accord. Car vos yeux ne vous appartiennent pas, du moins. Ah, ça c'est les endroits où il faudra que. Ah non, il y a que des mecs. Non, ah, c'est... quand tu traînes avec ce genre de tchoum. C'est un bail, c'est pas important. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est morte? Elle a changé de taf et a quitté la ville. Pour un temps. Ah, je vois. Vous êtes un mort de rire. Ah, j'adore.
Salut, V. Le docteur Vecteur va te recevoir. Je t'attends là. Misty et moi, on a des trucs à se dire. T'as l'air content. Je suis toujours content. Ça rend la vie plus facile. Mais... on a un nouveau boulot de prévu. Pour une c'est quoi ça? Ah d'accord, c'est une porte. Putain, je suis bête. Ok, on allait droguer par là. Oh putain, un châssis à moi, j'aime pas. Ou je sais même plus comment on les appelle ces chats là. Putain, ils sont dégueux. Quelle mocheté quoi. On va croire que c'est vraiment que des camés en fait. Charcudoc, l'installation de matériel cybernétique a beau être une pratique courante, elle n'en reste pas moins une opération dangereuse et invasive qui ne peut être effectuée que par des spécialistes qualifiés. Les Charcudoc a cité en compte plusieurs qui offrent différentes améliorations matérielles. Sélectionnez l'amélioration cybernétique que vous désirez dans la liste et profitez de vos nouvelles capacités. D'accord. Eh hey Vic, t'as l'air en forme pour un Vioc. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf. Je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et... je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? Bah ça va hein. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex de Chaulle. Je saute dans la cour des grands maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter de Chaulle, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé. Merde. Chiale pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard, avec les intérêts. Tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Allez, c'est parti. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Allez hop. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. Alors, matériel cybernétique. Les implants cybernétiques sont des pièces mécaniques qui remplacent des parties de votre corps. Ils peuvent conférer des capacités surhumaines qui boostent vos aptitudes de combat et augmentent vos chances de survie face aux dangers. Bien qu'elles soient très communes en 2017, l'implantation de matériel cybernétique reste une intervention invasive. Deux fois qu'on entend ce mot, et parfois dangereuse. Seuls les spécialistes appelés Charcudoc, oui, mais ça va. Il répète deux fois le truc, tu sais. D'accord. Donc, on a objet disponible 2. La 1. Putain, la sensibilité de la truc, elle me fait chier. Vous pouvez faire installer ou vendre dans n'importe quelle clinique le matériel. Amélioration, améliore votre vision, emplacement de modules cyber. D'accord, c'est tout. Là, ils disent que j'ai deux trucs. Boost de mémoire et amélioration de mémoire vive. Le crâne, je crois que je vais l'augmenter, mais à 2000. Micro-générateur, pardon.
Libère une décharge électrique infligeant des dégâts correspondant à 30% de la santé maximale à l'ennemi ciblé lorsque votre santé descend à 15. Bof. Augmente le temps de piratage du protocole de piratage à 100%. D'accord. Non? Merde, j'ai déjà payé, putain. Système nerveux, attends, les mains. Augmente les chances de ricocher des armes cinétiques. Connecte directement à l'implant optique. L'arme permettra de suivre les données en temps réel. Ok. Squelette. Jambes, ok, on peut avoir... ouais, d'accord, on peut vraiment tout changer. Ça, c'est les épaules. Le système nerveux, il y a quoi à peu près dans ça? Je comprends pas. Vous permet de viser et tirer en esquivant. Ralentit le temps de 50% pendant un quand vous bloquez, visez ou attaquez tout en glissant ou en esquivant. D'accord, ça c'est pas mal. Du coup, le cerveau, ouais, bon, ben, une autre fois. Hein. On ne peut pas faire autrement. Mais c'est bon. MK1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentilles externes intégrées. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prêt. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Étends ton bras de champion ici. Ouh là 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 là. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant. Et je commence à inciser. Tu sens quelque chose? Non, comme d'hab. Je sens rien. T'as conscience que tu me demandes ça à chaque fois? Je vois pas pourquoi tout d'un coup, ce serait différent. T'as raison, petit. C'est pas comme si tu risquais de faire un arrêt cardiaque ou de rester paralysé. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis qu'un pauvre docteur. Enfin bon, bref. Je te coupe l'image une minute, ok? Ouh là là là. Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens bien? Ouais. Wow. C'est mortel, Vic. Ah, nickel. Ok, vous pouvez obtenir un tas d'infos utiles en scannant les gens avec votre matériel cybernétique optique. Comme la force d'un ennemi, le gang auquel il appartient ou le type d'arme qu'il utilise en tant que netruner. D'un haut vol, vous pouvez voir une liste des piratages rapides à utiliser. D'accord. Passe au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Une bonne donnée. La tête à mise à prix est désormais à votre disposition. Vous pouvez identifier ces individus grâce à votre scanner,
Puisqu'ils sont tous recherchés, morts ou vifs, vous pouvez employer la méthode de votre choix pour collecter la récompense. D'accord. En gros, on peut devenir un chasseur de plumes. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Putain, Victor, c'est cool. J'sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. Deux bouffées maintenant, deux autres dans une heure. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je t'en vaudrais ça. Allez, petit, montre-leur ce que t'as dans le vent. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Bouge tes fesses, d'accord. Il a fait des combats. Ouais, il a combattu. Par contre, je crois qu'il va falloir que je règle la luminosité parce que là, je peux pas. Alors, s'équiper de gadgets de combat, placer une grenade dans l'emplacement rapide du combat et votre inventaire pour y accéder facilement. Ouais, ça, il fallait me le dire tout à l'heure quand j'ai galéré contre les gars dans l'appartement. Juste stupide, voilà, je savais qu'il y a des trucs. Vieux masque à gaz. Ouais. Ok, bon. Bon, mais on a fini du coup. Je crois que je vais m'arrêter là du coup. On fait une petite pause. Abruti. Ah oui, il lâche pas l'affaire. Allez. Qui est-ce qui gagne? Hernandez. Tu sais, à la bonne époque, ce blaireau de Malone se serait fait sécher direct. Maintenant, tous les boxeurs ont un renforcement crânien. Ça absorbe 75% des chocs. Ça te manque, hein? Ah. Non. Putain, 21 000. Bon, on s'arrête là et on se voit tout à l'heure. Je fais une petite pause et je reprends. Bye.